Je suis un youtubeur, j'ai posé des questions en fait. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, je peux. Eh, hey, t'as combien d'abonnés? Ah ouais, je peux, salut. Ça va? Ça va ou quoi? Ouais, ça va et toi? Ok, selon toi, qui sont les plus infidèles? Yo YouTube, yo les abonnés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, micro-trottoir, c'est des games. La première des choses avant de commencer, abonnez-vous à ma chaîne si c'est la première fois. Likez et partagez cette vidéo. Je veux plus, maximum de likes pour cette vidéo parce que c'est du lourd. Le thème d'aujourd'hui, c'est de savoir, selon vous, qui sont les plus infidèles. Le mec ou le fille, ou soit si vous connaissez des origines qui sont infidèles, lâchez-vous dans le commentaire. Et c'est la question du jour. J'ai interviewé des gens, vous allez voir des réactions. Générique. On a déjà commencé, soyez prêts, est-ce que t'es prêt? Caméra lève. Comme ça. Dis-moi, comment tu veux? Non, là. Ah ouais. Salut. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Ouais, super bien. Tu veux me faire un petit bisou? Wow. Salut. Salut. Aujourd'hui, on est avec qui? Salut, Sarah. Jonathan. Manon. Selon vous, qui sont les plus infidèles? Les hommes. Ah oui. Bon, je pense qu'il y en a autant des deux côtés. Les hommes. Les hommes. Oui. Ah ouais. Oui. Et dans le monde, quand on parle d'une communauté ou d'un pays, les origines, selon toi? La première chose qui me vient, c'est l'Afrique. L'Afrique. L'Afrique du Nord, l'Afrique centrale, enfin l'Afrique même dans tout son ensemble. Franchement, c'est pas d'origine, c'est juste une question d'éducation. Les Maliens. Et vous êtes d'où? Moi, je suis d'origine espagnole, de mon papa, ouais. Et justement africaine du côté de la maman. Ah ouais. Et je sais que en Afrique, ça c'est même presque accepté. Tant que le monsieur est discret, c'est accepté. Même les femmes aussi, vous êtes discrètes. Hein. Les infidèles. Ouais. Je vais être honnête avec toi. Hein. Moi, je pense que c'est les Français. Les Français? Voilà. Ah ouais. Parce que tout le monde dit, ouais, c'est les autres nationalités, c'est les Rebeux, c'est les Renato, mais c'est les Français. Bah, et pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui Parce te fait dire... Combien de fois ils divorcent? J'ai un pote, son père, il s'est marié 5 fois. C'est trop. C'était toujours avec des Françaises ou... C'est des Français, hein. Après, je sais pas si les filles sont dans l'histoire, mais c'est la même chose. Français, Françaises, tous dans le même lot. Après, je sais pas que les autres, c'est des anges, hein. Ah ouais. Et après, quand on parle des hommes et des femmes, qui sont les plus infidèles? Des hommes et des femmes. Oui. Ah, franchement, ça c'est. On ne trouve pas d'hypocrisie. Ah non, non. Vu que tu es un homme, il y a de mieux. La plupart des mecs disent que c'est les hommes. Les hommes? Ouais. La plupart des mecs disent ça et je sais pas. Moi je te dis, hein. C'est la même. Parce que les filles, d'un côté, elles sont trop naïves. Mm-hmm. Et les hommes, de l'autre côté, ils attaquent. Ah ouais. Du coup, quand la fille, elle se retrouve trahie, bah, elle aussi, elle va finir par devenir infidèle. Ah ouais. Et le mec, lui, comme il attaque beaucoup, bah lui aussi finit par être infidèle de l'autre côté. Je sais pas si tu vois le délire, mais je pense que c'est vrai que les mecs, ils cherchent beaucoup, mais les filles aussi. Faut arrêter d'être aussi naïf. Ah ouais, il faut arrêter d'être aussi naïf. La naïveté, c'est trop. Parce que je suis avec beaucoup des Maliens, ils m'ont toujours trompé. Ah ouais. Après, ça finit toujours par la tromperie, en fait. Oui. Après, il y a les Haïtiens aussi. Ah ouais. Après, il y a les Congolais. Les Haïtiens, Prince 930. Un message pour vous. Et il y a les Congolais. Oui. Ah ouais, t'es déjà sorti avec un Congolais aussi? Oui. Ah, les Congolais, en tout cas, il faut faire attention, mes gars. Il faut faire très attention. C'est la troisième personne. Vos origines, vous êtes français ou... Ah, français, oui. Français, ok. Selon vous, qui sont les plus infidèles? C'est les hommes. C'est les hommes? Ouais. Ah ouais, t'assumes quand même, hein? Ouais. Et pourquoi pas les femmes? Parce que toi-même, déjà, t'es... Elles sont plus sérieuses? Les femmes. Et quand on parle des origines... Congo. Oh, Cap Vert. Un message pour les Capverdiens, les Congolais également. Les Antillais. Oh, les Antillais. Et toi-même, t'es d'où? Je suis Congolais malin. Ah ouais, t'assumes. Ah, j'aime bien le mec parce qu'il assume en fait. Là, parce que c'est la vérité. Et entre le mec et le meuf, qui sont plus infidèles? Ah, les hommes. Les hommes? Ouais. Ah ouais. Moi, je pense que maintenant, c'est plutôt égal. C'est plutôt égal. Ouais. Mais pour vous, c'est plus les hommes, et pourquoi? Se voit par rapport... Bah, je sais pas, la culture ne pardonne pas souvent que les femmes, je sais pas, trompent leur mari, mais c'est, pour l'homme, c'est un petit peu comme normal. Ah ouais. Oh, t'es de quelle origine? Marseillaise, Guadeloupéenne, congolaise. Congolaise? Ah ouais, big up. Y'a le feeling. On fera un bébé congolais.
Non, je rigole, je rigole. Ok. Selon toi, qui sont le plus infidèles? Les hommes. Les deux, pareil. Les deux, pareil. Ouais. Non, moi je pense les hommes. C'est plus des hommes. Hein. Ah, ouais. Ah, lui il assume quand même. Non, je pense, t'as peur de dire les hommes, de peur non, de te faire agresser par lui? Les deux, les deux. Il faut avoir des connasses et il faut avoir des connards. Ah ouais. Je pense que les mecs ça reste. Et dans le monde, quand on parle des infidélités, de l'infidélité plutôt, et les origines que vous connaissez qui sont plus infidèles, selon vous? Les Haïtiens. Les Haïtiens? Ouais. Oh, ils sont dangereux. Hein. Ouais. Les origines? Ouais. Oh, les Antillais. Hein. Les Antillais? Ouais, les Antillais. Ah. Non, très clairement, les Antillais. Pareil. Ils sont forts, ils sont forts. Aucune idée, hein. Dis-moi. Salut. Oui. Ça va ou quoi? Ça va. Par contre, vous regardez là. Non, pourquoi? Selon toi, qui sont le plus infidèles? Je dirais les garçons. Les garçons? Je pense. Ah, parce que t'es une fille, bah, j'en tu peux pas rien, parler du temps. Je pense que c'est kiff-kiff, en fait. C'est kiff-kiff, ouais. Dans 50-50, on dirait. C'est ça, ouais, 50-50. Et dans le monde, quand on part des pays, une communauté. Peut-être les Européens avec leur site infidélité conjugale, tout ça. Ah ouais. Ah ouais. Non, mais sérieusement, il y a des pubs, du coup, je dirais que c'est eux. Ah. Camerounais. Ok. Selon toi, qui sont le plus infidèles? Bah, les femmes. Les femmes? Bien sûr. Mais non, les hommes, vous n'assumez pas. Il y a des femmes, ils disent clairement des fois. Il y a une femme, elle m'a dit non, elle, elle est infidèle. C'est les femmes plutôt. Non, mais non. Vous, les hommes, un homme doit on toujours pas, en fait. Un homme ne peut pas rester avec le même vagin tous les jours. Ouh, un homme peut aimer une meuf et la tromper sans qu'elle s'en rende compte. Ça, c'est pas tromper, c'est que l'homme doit se détendre. Ouais. Parce qu'il peut pas rester avec le même vagin tous les jours, t'as capté? Non, mais non. Mais le mec, il est chaud. Les Camerounais, les Camerounais. Maintenant, c'est la meuf qui n'a pas qu'à te tromper, tu vois? Ouais. Parce que tu vois les meufs, quand elle finit de boire le troisième petit verre là, elle a déjà grave envie de baiser, elle est en boîte et tout. T'as capté? Maintenant, tu vois seulement, elle s'est fait baiser. Là, je suis mort. Là, je suis mort, je manque de mots. Une dernière. Et quand on parle des origines, tu vois plus côté infidélité, tu vois quel genre des origines? Ah, les Congolais. Les Congolais? Oui, les... Oh, les mais ils non. Ils sont champions pour ça. Ils sont champions. Voilà, à chaque fois que je grague une meuf, elle me demande si je suis Congolais. Oh, un message pour les Congolais. Les Congolais, faites attention en tout cas. À chaque fois que tu dragues une meuf, elle te demande si tu es Congolais. Et si tu réponds. Ah, tu fais un petit jeu, tu dis que t'es un Congolais. Elle me dit non, c'est mort. C'est mort. Ouais. Et alors, si tu dis que t'es un Camerounais, il dit quoi? Les Congolais, on vous connaît. Camerounais, il y a les meufs qui hésitent encore, tu vois. Ouais. Les Congolais... Mais ça t'est déjà arrivé, tu dis que t'es Camerounais, la meuf dit ah, je pensais que t'étais un Congolais. Ouais, ouais, ça, toujours. Selon vous, qui sont le plus infidèles? Les hommes. Les hommes. Ah, c'est oui. Clair. C'est clair. Très clair. Et quand on parle des origines? Oui. Qui sont les, le plus infidèles selon vous par rapport à votre âge? Vous pouvez avoir l'expérience. Les origines. Les plus infidèles. Non, non, mais en fait, il y a la culture déjà. Ouais. Qui fait que bon, on a fait que. Donc on avait le droit à plusieurs épouses. Mm-hmm. Donc à partir de là, même si un homme n'a pas plusieurs épouses, mm-hmm. il va avoir les autres bureaux, comme on dit. Et toi, selon toi, qui sont le plus infidèles? Les hommes. T'as dit quoi? Les hommes. Je pose une question vite fait pour YouTube, je suis un youtubeur. Salut. Non. Oh, et pourquoi tu pars? Tu restes avec moi. Non. Tu restes avec moi. Ouais, tu vas répondre à ma question. Tu vas répondre à ma question. Réponds à ma question. Ah, elle est infidèle, ça se voit. Elle est infidèle. Parce que ça part de l'infidélité. Ah oui, t'es revenu. Excuse-moi, bonjour. Vous allez bien? Moi j'ai une caméra, juste une question à vous poser. Ouais. Selon vous, qui sont le plus infidèles? De toute façon, je vais vous dire quelque chose, hein. En Europe, ils sont aussi infidèles aussi. Hein. Ah oui, en Europe. Ah, c'est oui, très oui, important. Faut pas croire. Les Européens. On montre les autres du doigt, mais ils font la même chose. Ah bah la fidélité n'a pas de genre. Hein. Quelle origine? Algérienne. Algérienne, et toi? Égyptienne. Égyptienne. Ah, les rebeux, hein. Je suis entouré des deux belles rebeux. Ok, selon vous, qui sont le plus infidèles entre les femmes et les hommes? Ouais. Je suis absolument choquée, pas du tout. Ouais, non, les hommes. MDR, wesh. C'est les hommes? Ouais. Ah, pourquoi tu t'as dit, t'as fait ça? Donc, c'est elle est infidèle. Ah ouais. Tu pars des hommes, mais toi-même, t'es pas fidèle. Mais bien sûr que je suis fidèle. Et toi, selon toi, qui sont les. Qui sont infidèles? Non, non, c'est des hommes. C'est des hommes, non? Non, c'est les non, blancs. C'est pas. C'est le problème. Mais les blancs, ils sont un peu problématiques quand même. Ouais, de fou. Ah ouais. Mais pas comme des rébeux, des attentats. Oui. C'est vieille. Ouais.
On peut aller par là. C'est où le soleil? Ah, je crois que c'est par là. Ouais, vas-y. Les gars, bonjour, vous allez bien ou quoi? Ouais. Ok, moi je suis un youtubeur, j'ai fait des micro-trottoirs. Et le thème d'aujourd'hui, c'est de savoir, regarde la caméra s'il te plaît. Selon toi, selon toi, qui sont le plus infidèles entre les hommes et les femmes? Les plus quoi? Les plus infidèles entre les hommes et les femmes? Ouais. Les femmes. Ah, les femmes. Hein? Qui sont le plus infidèles entre les hommes et les femmes? Bah, c'est les hommes souvent. C'est les hommes? Ouais, non, parce que les femmes, elles se font pas cramer souvent. Ah ouais? Ah non, elles sont discrètes. Ouais, les hommes. Ils se font cramer souvent alors que les filles, elles sont un peu. Ah ouais. Excusez-moi, les gars, bonjour. Bonjour. Moi, je vais bien goûter. Hein. Ouais, pas de problème, vas-y. Vous allez bien? Ah ouais, toi? Ah, je peux encore goûter? Goûter. Ah non, je rigole. Bon, en fait, moi, je vais poser des questions. Je suis un youtubeur. Selon vous, qui sont le plus infidèles? Entre les hommes et les femmes. C'est les mecs? Non, c'est vrai, les meufs. C'est les meufs? Ouais, pour moi, c'est les meufs. C'est caché, c'est les mecs. Ah ouais, donc pour lui, c'est le. Ah, pour moi, c'est les meufs. C'est les meufs. Et toi? Les meufs. Et toi? Vous avez eu des enfants? Pour les mecs, sans hésiter. On va pas se voiler la fâche. Ah, quand même, tu assumes, hein? Non, mais. Tu n'assumes pas, toi. Ah, moi, j'ai toujours été fidèle, moi. Parce que la plupart des filles disent c'est les mecs. Ouais, mais c'est l'inverse en vrai. Je dis c'est non binaire. Dans le monde, quand on parle de l'infidélité, on voit plus que les origines. Les origines qui sont infidèles. Parce que j'ai eu des réponses, des filles, elles ont dit, ouais, elles ont tout dit. Rien, moi. Ouais, moi non plus, je peux pas me prononcer. Je pense que mon origine a déjà été. Attends, toi, t'es de quelle origine, toi? Je suis entier. Un entier. Un entier? Pourquoi? Mais t'es entier? Ouais, mais les entiers, c'est des trompeurs. Dangereux. Ouais, là, je te rappelle, la plupart des filles, elles ont dit les entiers, ils sont infidèles. Et... C'est les Capverdiens les plus. Capverdiens, ouais, une fille, elle a pas généralisé. Capverdiens également. Je peux pas généraliser. Non, moi je généralise pas. Ouais, mais je sais, mais après nous on le revendique. Je les après, généralise après leurs analyses, je sais pas ce qu'ils ont vécu, expérience et tout. Chez les rebeux, t'auras des infidèles et t'auras des mecs super fidèles et au contraire, tu vois. Mm-hmm. Pareil chez les Porto. Mm-hmm. Pareil chez les Chimal aussi. Et toi? Moi je peux. Lui il est infidèle à mort, lui. Ok. En fait, selon vous, qui sont le plus infidèles? Les hommes ou les femmes, c'est ça? Non, mais ça c'est pas pour moi. C'est la même chose. C'est la même chose en fait. Je pense qu'il y a des femmes qui sont infidèles et les hommes, femmes beaucoup. Mais c'est ça, je dis selon. Beaucoup plus les hommes peut-être. Beaucoup plus les hommes. Oui, parce que vous réfléchissez. Pardon pour le vous, mais vous réfléchissez avec autre chose que les neurones. Et vous êtes, on va dire, même vous êtes un peu esclave de ce problème. C'est un problème. Ah oui. Parce que pour résister là, c'est. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais après, ça dépend. Là vous quand vous dites vous faites, vous généralisez. J'ai tendance à généraliser. Ah. Bon, j'en suis consciente. Il y a aussi des cas particuliers. Bien sûr. Selon vous, qui sont le plus infidèles? Les nanas? Bon, bah, y a les deux. C'est kiff-kiff, je pense. C'est kiff-kiff. Ouais. Mais j'aime les faire manger. Et quand on parle des origines, qui sont les plus infidèles? Les Congolais. Les Congolais. Là, quand tu parles des Congolais, tu vois, les femmes ou les hommes? Les hommes. Les hommes. Ouais. T'es déjà sorti avec un Congolais? Ah, il t'a trompé, hein? Et toi, tu dis quoi? Qui sont les plus infidèles selon toi? Tous les mecs. Tous les mecs, pour toi, tous les mecs. Ah, c'est les Renois, ça. C'est plus de Renois, en fait. Pas les blancs. Ah, moi, j'ai un pote. Et toi, de quelle origine, vous? Fidèle, hein. Moi, je suis français. Ah, ton pote, t'es infidèle? Moi, je suis fidèle, origine. Par contre. Ah, t'es fidèle? Ouais. Attends, tu n'assumes pas, ça se voit. Hein. Tu vas te faire balancer dans le commentaire, en tout cas. En tout cas, je te remercie. Bonne journée.